Non. Regardez, il est encore là. Oh, mais oui, c'est étrange, hein. Et ici? Toujours lui. Garde Lyon. Et ici encore. 5 mars Austerlitz. Puis toujours la même expression. Hein? Aussi neutre. 12 fois en tout. J'ai compté. C'est quand même bizarre. Pourquoi aller se faire photographier régulièrement aux quatre coins de la ville si c'est pour jeter les clichés juste après? Mais surtout qu'ils sont en parfait état. On dirait une sorte de rituel. Ben, il est peut-être tellement obsédé par la peur de vieillir que c'est la seule chose qui le rassure. C'est un mort. Un mort? Mais oui, un mort qui a peur de basculer dans l'oubli. Alors, il sert des photomatons pour rappeler son visage au vivant. Un peu comme s'il faxait son image depuis l'au-delà. Un mort qui aurait peur de basculer dans l'oubli. Eh bien, pour eux, en tout cas, c'est gagné. Ils sont morts depuis longtemps. Mais ils ne basculeront jamais dans l'oubli. Vous savez, la fille au verre d'eau? Oui. Si elle a l'air un peu à côté, c'est peut-être parce qu'elle est en train de penser à quelqu'un. Ah, quelqu'un du tableau? Non. Plutôt un garçon qu'elle a croisé ailleurs. Mais elle a l'impression qu'ils sont un peu pareils, elle et lui. Ah, autrement dit, elle préfère s'imaginer une relation avec quelqu'un d'absent que de créer des liens avec ceux qui sont présents. Peut-être même qu'au contraire, elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Mais elle, et les cafouillages de la sienne de vie, qui va s'en occuper? Bah, en attendant, mieux vaut se consacrer au...